Hola Sport, bonsoir tout le monde. N'a vini pour nous décrypter, commenter et analyser tout ça qui fait dans sport. Eh bien, pas rater Hola Sport chaque soir à 8h sur Télé Soleil. Hola, bonsoir tout le monde. Nous comptons avec vous dans la première sortie Hola Sport pour ce maintenant. Nous prenons parler un pile football, surtout championnat monde plus gardé en Europe. Yo. Bonsoir coach Nato, qui joue. En forme, bonsoir Hilo, bonsoir tout le monde. Dans le week-end, nous avons un bel match dans le derby Ville Madrid. Équipe Atlético a tapé recevoir Real Madrid. Match football ça fini un goal partout. Mais nous avons un pile désordre dans le match football ça. Gagné un dirigeant qui a administré l'équipe AT Madrid yo, qui vraiment regrette. Incident qui passait au côté Thibaut Courtois, c'était ciblant et Courtois lui-même tout, lui blessé malheureusement, lui pourrait rater 3 semaines pour ne pas jouer pour l'équipe Real Madrid là, c'est ça. Carlo Ancelotti lui fait qu'on est dans la conférence de presse. Et puis, nous avons parlé tout de un record Real Gessou lui pour le battre là, côté lui, sous 40 matchs depuis le pape dit dans la Liga Espagnole là, et nous connaissons Barcelone qui a gagné record ça avec 43 matchs. Nous avons parlé tout de championnat. En Angleterre, côté te gon bel match pendant le week-end nan, Tottenham li al krasé United la Kaili 3 goals à 0. Gen Eric Ten Hag qui dit li pa trop inquiété concernant poste li s'il capable pedil après défaite ça que United fait devant équipe Tottenham nan. Nous parler tout dans pays l'Allemagne, côté équipe Bayer Leverkusen nan, li sorti vivant, oui, la Kaili équipe Bayern Munich lan, côté au fait match nul, yon goal partout. Et puis gen Antoine Griezmann qui annoncé retraite internationale. Les sous plan local, n'a vu nous les sélections mesdames yo qui sorti pour un tournoi spécial qui pourrait le fait dans mois octobre qui a venu là. Et puis gagné Charles Ewol Junior qui sacré champion pour une cinquième fois dans championnat dominicain. N'a proposé n'a tourné. Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télé Soleil. Un an de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé Haïti, mais aussi sur New TV. Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook Radio Télé Soleil et notre chaîne YouTube Radio Télé Soleil. Amis de la diaspora, vous pouvez nous regarder sur HLN ou télécharger l'application de Radio Télé Soleil sur Google Play Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Partout. Jeune qui dans zone Port-au-Prince ak ville qui sous côté li. Nous gagnon belle possibilité pour apprendre faire design ak neon. Princhel Design a organisé des séminaires formation dans mois octobre là. Soti 7 pour rive 10 premier séminaire. 11 pour rive 13 deuxième séminaire. Adresse Delma 75 Berekia numéro 9. Ou a besoin $20 US pour réserver place ou et puis $100 US pour séminaire. Pour plus information, ou ka rele dans numéro 34 79 64. Quand lire devient plaisir, quand écouter permet d'assimiler, quand parler scrute l'horizon, quand philosopher élargit l'univers, alors on ouvre une page. Page 25 sur Télé Soleil. Pour parler, apprendre, réfléchir et agir. Deux chefs, bonsoir tout le monde. Nous comptons rejoindre pour développement Hola Sport. C'est pour me paraître nous pour semaine. Nous prenons parler en pile dans football espagnol. Côté, pendant le week-end, ça, tu as un derby dans Ville Madrid. Équipe Atlético, tu as recevoir l'équipe Real Madrid là. Eh bien, pendant le week-end, ça, même, il y a un match football qui finit un goal partout. C'est un match qui finit en queue de poisson. Tellement, messieurs, yo tap essayé go negyo. Eh bien, match football, ça, tu as fini en bas pile bouche l'ouvrir. En nous rappelant, c'est brésilien, oui, Militao, c'est les mêmes qui t'a fait goal équipe Real Madrid là avec un demi-volé. Maintenant, temps additionnel dans 90 plus 5,
et gagner Correa qui t'a pral égaliser et pour équipe Atlético Madrid là match football ça qui était bouche pas goût et bon côté plusieurs fanatiques football qui t'a prétendu une plus bonne prestation et dans match football ça mais malheureusement c'était Goumé qui t'a pral gagner pendant mi-temps match football ça un match qui fait environ 20 minutes campé et tellement fanatique yo et t'a fait des ordres si n'a prêté dans match là avant nous traverser dans incident de Rivia Real Madrid qui était vraiment t'es bien négocié un bon match la ca équipe Atlético Madrid là d'un cheveu était capable de sortir avec victoire mais Atlético Madrid nous connaît comme d'habitude son équipe qui compte goumen et finalement y arrivé arracher match nul là dans temps additionnel un match qui finit un goal partout Cochinato. Effectivement un match dans une certaine mesure qui respectait réputation lui. Dans le sens que Real était fidèle à lui-même avec toute valeur propre pour la jouer et le défier Atlético dans le temple et avec tout cheminement pour qu'il t'ait empoché 3 points. Mais son match tour, que dans une certaine mesure, on a dit que peut-être son possible interprétation que résultat que Barcelone fait la veille là impacté aspect mental là la carrière de l'équipe dans le sens que c'est vrai Barcelone perdu donc tous les deux il y a possibilité pour réduire écart on dit que Atlético a remporté match là il a passé devant Real dans le classement il a pris deuxième place là donc que ce soit Atlético que ce soit Real Madrid pas gagné une qui était et mettez le nom disposition côté que tu as dit ah il pas réfléchi pour le protéger dans le sens en défaite tous les deux jouent précaution et dans mesure que capable joindre possibilité pour tuer l'autre là pour faire voilà que Real bénéficier de sort là pendant un certain temps que Militao scorer pour eux et Real gérer donc a dit d'assez bonne manière pour que eux-mêmes ils conservent score là mais quand même nous allons vivre une belle réaction, une belle sursaut d'orgueil à Atlético Madrid, notamment Cholo Simeone, qui ouais que gon symbiose entre lui-même avec Stade là. Et c'est un chef, monsieur dominé Stade là, Joelio, et monsieur catalysé qui plaît de manière systématique générale et changement entré Correa pour elle faciliter que effectivement ils joignent goal égalisation non presque fin temps additionnel parce que il était gain 8 minutes de temps additionnel et c'est après 5e temps que goal avait fait bon on pas quel temps prend pour vérifier pour confirmer parce que gain checking var là et donc quand même grâce nous capable dire à match nul ça malgré défaite Barcelone il était leader championnat oui et Barcelone tout était perdu et la veille match là et si n'a prêté dans match Real Madrid là est-ce que absence Mbappé pas pesé l'eau dans attaque équipe Real là moi me pas croire que sous ça t'a regardé hein, que nécessairement en présence de Mbappé t'a changé grand chose pas croire mais par accélération lui par point de vitesse lui oui t'a toujours capable de quelques aspects différents d'autant que c'est Bellingham qui était joué en position plus avancée qui sont en faux neuf et que en termes de repère d'automatisme c'est sûr que Mbappé t'a gagné plus automatisme par volume bien que c'est pas emblématique Mbappé mais sous discipline qui était censée exister dans la carrière de l'équipe surtout Atlético pour moi ça pas sûr que en présence de Mbappé t'a changé grand chose au final match a fini en goal partout Real qui et pas perdu en l'autre fois encore dans la Liga espagnole là et Atlético lui-même tout était sous une période là depuis au pas jamais tombé dans la Liga espagnole là pendant match football là t'ai environ 20 minutes match a été campé parce qu'il t'ai gagné un incident arrivé dans match là côté fanatique yo t'a voyé bouteille voyé briquet voyé objet sous terrain surtout yo t'ai fixé Thibaut Courtois nous connaît que c'est ancien gardien de but équipe Atlético Madrid là et pendant goal Militao a été fait là Courtois t'al faouchi fanatique yo et c'est pour raison ça fanatique yo pas traité différent côté yo t'ai continué voyer bouteille t'ai un gros incident dans match football ça match t'a pas le camper pendant environ 20 minutes pour t'être capable permettre qui jouer yo rentrer dans vestiaire et puis permettre que situation calmer et bien matin gagne autorité
qui a administré équipe Atlético Madrid là, yo sorti au communiqué pour dire yo regrette incident sa rivière et yo pral bataille pour capable empêcher gens des actions ça yo rivé. N'a pas rappelé match a été campé à l'avion des 60e minute de jeu et par rapport avec Thibaut Courtois qui t'a pral provoquer fanatique yo et c'est des gestes que Simeone t'a pral critiquer même que grand pile monde qui estime Simeone qu'on fait ça tout lui même des fois. Ben, d'accord, que si Simeone fait, monsieur harangue public là, et il est dans le rôle comme coach parce que lui-même il est pas dans le Real. Mais il y a une particularité, ça, que Thibaut Courtois, c'est ancien joueur d'Atlético. Ok. Et très souvent, nous jouons ça, que lorsqu'un joueur a rencontré, et il présente un match face à ancienne équipe, il a toujours une retenue. Une retenue qui témoignait un peu de respect. C'est une carte comme ça, un peu de fair play, de la sportivité envers les fans et les joueurs de l'équipe ça que le Tekonjou là dans l'auparavant. Mais il arrivait tout que, en pile joueur, il n'y a pas caché émotion, yo. Surtout pour Jean-Marc, ça a été serré hein, hier, parce que le match était très indécis pendant longtemps. Il n'est pas clair que ni notre équipe n'est capable de gagner le match là. Donc, possibilité match nul vient paraître assez évident. Donc lorsque Real vient scorer là, c'est un gros ouf de soulagement que le vignier pour eux et Thibaut Courtois qui c'est censé désormais il était toujours madrilène dans le sens que il était Atlético mais qu'on y a c'est la Casablanca. C'est dans la maison blanche que lié. Donc tout sans lit, tout est organé vibré avec la couleur blanche. Donc et Matlassin yo yo pas il pas gain automatique ça pour encore il était capable ton petit respect pas provoquer yo d'autant que c'est la caille yo. OK donc réaction publique là li regrettable mais c'est une réaction humaine. N'a toujours dit que n'a déploré que ça reproduit mais même j'en tout joueur yo gonti bémol dans réaction yo parce que et pas tout côté pour n'a faire ça. Gagne Diego Simeone dans déclaration après incident qui fait connait que Thibaut Courtois te kon fait ça l'Atlético Atlético l'équipe a joué contre Real Madrid les même tout te kon lancer briquet dans match yo et question briquet a passé avant longtemps a venir avec plus précision pour nous et fanatique Ola Sport côté gagne yon une sorte d'habitude dans des bio pour fanatique voyer briquet sur terrain nous pas connait exactement pour qui raison ils ont fait ça mais c'est pour capable allumer pas connait bataille qui gagne entre fanatique Atlético et fanatique Real Madrid gion image régie après le fait nous pour qu'on y a une arme blanche oui un couteau qui un fanatique qui utilisé et dans 69e minute de jeu les qui yo t'a provoqué Thibaut Courtois après goal Militao a été fin fait Courtois t'a pral paraît un petit crash très farouché par rapport avec fanatique et Atlético yo et bien il y a un fanatique qui t'a pral voyer briquet voyer objet souterrain à l'endroit de Thibaut Courtois et bien la police dans ville Madrid yo t'a pral arrêter fanatique ça t'a porté couteau ça n'a pas gardé là et bien il y a question qu'a posé qui en fait un fanatique football gain accès pour rentrer dans Wanda Metropolitana avec couteau ça. Ben, là encore, c'est un manque de, au niveau d'organisation match là. Équipe sécurité en particulièrement, il y a aucune question pour y répondre. Parce que y a telle arme, pas aucune façon pour franchir toute barrière qui existe. L'homme des barrières, c'est pas porte ouvrir seulement, mais toute structure balise de sécurité qui est au point pour pénétrer, pour arriver en dans ce stade là. Donc une question proposée dans toute structure de gestion stade là de structure comité qui t'a organisé match là au du point de vue sécurité et heureusement le pire pas être produit par rapport à ça parce que si Amsa arrive en dans là certainement t'es bon intention mais intention ça qui est-ce qui t'est ciblé nous pas connaît fort heureusement nous pas gain information que on pas qu'on arrivé là Atlético c'est sûr dans les prochains jours nous qu'attendait qu'on sanction ou amende qui infligé à lui-même d'autant que match là était campé pendant une bonne période de temps et donc ça en plus comme élément c'est une preuve à conviction qui fait que sanction très possible et il est très risqué tout parce que c'est même fanatique qui t'a voué objet sur Thibaut Courtois c'est lui-même qui t'a gain zam nan nan même am blush là en imaginer que c'est pas bouteille et pas de briquet t'a voué et Courtois t'a voué en imaginer le t'a gain campé match là gain quelque monde qui envahi monde t'a envahi pelouse là et que dans envahissement ça monde ça avec couteau ça nan même là
les rencontrer monde peut-être joueur ou bien quelque chose monde qui était souhaité rencontrer. Et c'est ça que fait nous dire heureusement que le pire pas arrivé produit, ça aurait été fortement regrettable pour football de manière générale et pour la vie humaine aussi. Donc on verra bien qui disposition pour prendre dans le prochain jour. Oui, c'est Thibaut Courtois qui t'a pris la cause à tout incident ça parce qu'il c'est ancien joueur équipe Atlético Madrid là après goal Militao, il t'a pris provoquer fanatique en parlant de Thibaut Courtois, Courtois qui blessé, il t'a pris fait 3 semaines pour le pas monter terrain pour équipe Real Madrid là, information il fait connait, il t'a pris gain pour rater un match contre Celta Vigo et la retourner juste après trêve FIFA et Courtois qui t'a gagné une blessure dans fin match football là et d'après communiqué ça que dirigeant Real yo mette de yo officiellement et bien il pral gagner pour lui capable rater match Ligue des Champions qui a joué semaine ça et puis la rater yo match dans Liga Espagnole là il t'a retourner après trêve FIFA qui donc 19 octobre qui pral venir là nous songer et Courtois c'était gardien but qui était utile Real Madrid surtout dans finale Ligue des Champions mais tout gain André Lounin qui pral kembe en bagage là et est-ce que ça t'a voulu dire que Lounin te font un bon choix l'a été choisi pour longer avec Real là bon c'est d'abord il pas besoin de faire un choix pas bon pour lui et évolution saison après et après saison même pral capable confirmer c'est que choix ça l'a fait c'était bon choix mais de toute façon c'est regrettable que Courtois censé malheureusement blessé encore mais n'oublie pas que saison se passe il fait pratiquement presque toute saison en blessé net mais heureusement pour la Maison Blanche que Real Madrid y a Yogan André Lounin qui t'a fait preuve pendant la saison 2023-2024 là et que certainement il est capable de compter sur lui. Donc Courtois mettre printemps pour récupérer de blessures là, la cage est bien gardée. Oui, André Lounin qui pourrait remplacer Thibaut Courtois pendant le pral fait 3 semaines pour le pas jouer pour équipe Real Madrid là Real qui était sous 40 matchs li pas jamais perdu dans la Liga espagnole là. Nous connaissons équipe Barcelona qui gagne record ça dans avec 43 matchs sans perdre et entraîneur qui fait ça c'était Valverde. On nous rappelle Real gagne 4 matchs pour jouer encore une fois pour capable battre record parce que record c'est 43 matchs et Real sous 40e match li depuis li pas perdu 5 octobre qu'a venir la Real gagne pour jouer avec Villarreal les 19 là bien pour jouer contre Celta Vigo c'est dans match football ça qui est dit Courtois capable retourner hein? Et puis Ligue classico pour jouer contre Barcelone c'est pral 26 octobre là bien pour jouer classico et puis 3 novembre là bien pour jouer contre Valence et bien dans 4 match football ça yo Real pas dû perdre s'il t'a voulu battre comme ça et continue tout les pas aux missions impossible dans le sens que c'est 4 matchs que pour lui-même limiter le record parce que égaler le record là c'est fait 3 matchs que le pas perdu. Et à noter que c'est pas 40 victoires mais c'est 40 matchs sans défaite. Donc un match nul ce n'est pas une défaite. Pour le mettons au record lui-même c'est fait 4 prochains matchs que le pas perdu là d'ailleurs. Maintenant qui garantit nous qu'a gagné que Real pas perdu dans 4 points ça yo et face à Villarreal. D'abord, Fondawe physionomie macho, est-ce que c'est à domicile que dit ou bien est-ce que c'est en déplacement? Notamment classico, c'est des caps déplacés avant ou bien? La Cayo Real. C'est Cayo Real. Donc, Real qui a recevoir le 26 octobre FC Barcelone. Donc, ça promet pour être une belle opposition. Et non, on ne peut pas arrêter comme ça pour le dire que Barcelone va battre Real, la Cayo Real. Mais, il y a un piment, il y a du feu dans le match. Je ne sais pas quelles sont missions impossibles pour que Real t'a fait. Bon, égaler, au moins égaler le record ça de 43 matchs là, parce que au moins un match nul face à Villarreal, bien dit au moins, ne dit pas impossible, au moins match nul face à Celta Vigo, mais logiquement, c'est son victoire l'idoyer. Donc, nous sommes déjà à 42 matchs. Face à Barcelone, si le caille Barcelone, tu as dit mon petit pourcentage beaucoup plus. Alors possibilité étape plus évident en faveur pour Barcelone de remporter donc Real pas tape qu'à continuer donc au moins match nul là encore possible donc il est capable d'égaler et c'est pour le 3 novembre là qu'on est si là mettons record lui-même pour le ta dépasser alors Ancelotti pour c'est la mettons record pour le dépasser Valverde oui qui est possible parce qu'il nous connaît Ancelotti mais c'est qu'on équipe ça très bien mais 43 matchs sans perdre, c'est énorme. Et c'est Valverde qui fait ça dans l'équipe Barcelone. Il y a un coach en plein monde qui a un petit doute sur lui. À l'époque, il a fait quoi ça? Oui, mais qui a fait ses preuves. Il y a un doute, mais le résultat, il parlait pour lui. Oui. Mais on a noté que
40 matchs sans défaite là. Li fait, m'ta dit média, li fait buzz. Mm-hmm. Mais on ne peut pas oublier. Xabi Alonso, tout jeune qu'il soit, dans coaching là. Monsieur Sot fait 49 matchs. Mm-hmm. 49 matchs sans défaite dans la saison qui passée. Donc, c'est pour mission qui est impossible. Oui, oui. C'est tout pour Carlo qui connaît ça très bien. Voilà. Nous avons parlé de Barcelone qui vient pour croiser avec Real Madrid le 26 octobre dans le Classico. Barcelone, pendant le week-end, qui prend une leçon de football dans l'équipe Osasuna. Oui, Osasuna, il bat l'équipe Barcelone 4-2 dans le match de football. Ça. On a rappelé c'est Victor Roque avec Lamine Yamal qui fait goal pour l'équipe catalane. Barcelone qui était arrêté sur 7 matchs, 7 victoires dans la Liga. Eh bien, Osasuna Frenel pendant le week-end. Vous dites Victor Roque fait goal pour Barcelone dans le week-end? Oui, ça m'a dit. Victor Roque pas joué Barcelone encore. Mm-hmm. Barcelone prête il est... Non, bêtise. Voilà, donc je ne sais pas qu'il fait goal pour Barcelone dans le week-end. Et un peu le monde parle sur le match ça, dans le sens que... la faute revient totalement à entraîneur Hansi Flick dans le sens que gain au moins gain 5 monde que monsieur pas aligné qui c'est des habituels titulaires parmi lesquels Lamine Yamal gain Rafinha comme cité de ça parmi 5 là qui pas titulaire dans match ça et que estimé par rapport à ça Osasuna représenté dans production à domicile. Habitude li de résister fortement face à que ce soit Real face à Barcelone Flick te paraît en petit classe présomptueux pour décider que 5 moun sa yo li pas aligné peut-être que c'était un peu trop de confiance dans l'équipe li hein, dans assurance que la capable gagner mais débat aller dans sens ça Osasuna était une équipe qui pas trop facile à manœuvrer à domicile la Caïdé donc c'est peut-être dans ça que Flick t'es supposé porter un petit classe respect en plus pour l'équipe Osasuna. Mm-hmm. Ben de toute façon, il joue une faveur de résultat dans le sens que place liée dans le classement pas secoué. Il y a une possibilité pour le mettre en écart de 7 points sur Real. Ben c'est Real seulement qui bénéficie de 1 point. Pas pour un match là et heureusement pour les tout parce que deux poursuivants immédiats le Real Madrid avec Atlético Madrid c'est match nul que vous faites donc il est capable de relancer retaper dans le prochain match. À noter c'est Pau Victor c'est lui-même qui était buteur pour l'équipe catalane au lieu de Victor Roque nous connecter traversé il a prêté Real Betis c'est ton Victor quand même c'est ton Victor quand même oui voilà nous trouvons des Victor c'est Pau Victor c'est lui-même qui était fait goal pour l'équipe Barcelona avec Lamine Yamal et but pour l'équipe Osasuna c'était Ante Budimir tout ça me fait un gros match pour eux il fait deux goals parmi eux Yonsou et penalty gain tout Abel Bretons qui était buteur pour l'équipe Osasuna qui corrigeait Kaye équipe Barcelona pendant un week-end ça nous pral prend pause là régie quand nous tournons nous pral font parler des championnats en Angleterre côté et Tottenham les bat équipe United là la Kai United même les bat les 3-0 et gain tout Bayer Leverkusen qui sorti vivant la Kai équipe Bayern Munich là qui était resté sur 4 matchs 4 victoires dans Bundesliga n'a proposé n'a tourner. Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télésoleil. Un an de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé Haïti, mais aussi sur New TV. Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook Radio Télésoleil et notre chaîne YouTube Radio Télésoleil. Amis de la diaspora, vous pouvez nous regarder sur HLN ou télécharger l'application de Radio Télésoleil sur Google Play Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Partout. Hola Sport, bonsoir tout le monde. N'a vini pour nous décrypter, commenter et analyser tout ça qui fait dans sport. Eh bien, pas rater Hola Sport chaque soir à 8h sur Télé Soleil.
Jeune qui dans zone Port-au-Prince ak ville qui sous côté li. Nous gagnons belle possibilité pour apprendre faire design ak neon. Queen Shell Design a organisé des séminaires formation dans mois octobre. Sorti 7 pour arriver 10 premier séminaire. 11 pour arriver 13 deuxième séminaire. Adresse Delma 75 Berekia numéro 9. Vous avez besoin $20 US pour réserver place et puis $100 US pour séminaire. Pour plus d'informations, vous pouvez aller dans numéro 34 34 79 64 34 34 79 64. Quand lire devient plaisir, quand écouter permet d'assimiler, quand parler scrute l'horizon, quand philosopher élargit l'univers, alors on ouvre une page. Page 25 sur Télésoleil. Pour parler, apprendre, réfléchir et agir. Bienvenue dans la dernière partie au la sport pour Aswea. Tottenham li bat équipe United là 3-0 la Kaili et pendant week-end là oui la Kaili United li prend 3-0 et nous songer pendant semaine passée United te fait match nul la Kaili dans Europa League là devant FC Twente qui n'était pas allé sur ça déjà. Et est-ce que ça veut dire que Erik ten Hag a suivi dernier Julio dans équipe United là? Bon, si vous songez dernière fois nous parler là que nous évoquer cas Manchester United là, ben nous te dit que match ça week-end là était crucial pour lui. Maintenant qui ça propriétaire yo responsable yo décideur yo dans équipe United là pour le faire nous pas connaît, mais c'est presque qu'on pourrait dire que les dés sont jetés parce que en manque de résultats depuis assez longtemps. Et en songe tout que il y a eu le clash avec Cristiano Ronaldo le était retourné dans l'équipe là. En pile monde était loué que monsieur était imposé mais que Cristiano était sorti d'abord mettre Cristiano sous bord dans l'équipe là et prendre des sanctions contre monsieur dans responsabilité dans rôle normalement faut faire sentir poil. Et quelques résultats qui viennent passer après tu voulais montrer que non seulement il y a poigne, mais on pourrait espérer certaines choses. Mais maintenant, lorsque après ça, l'équipe là pas jamais arrivé grandi, l'équipe là presque toujours en dedans de si, et même il y a un monde qui fait comprendre, même si c'est farouché à farouché, il dit que Manchester United vient une équipe que c'est une victoire par mois. Donc, début de la victoire là, ou maintenant, c'est après un mois, après, c'est font l'autre victoire. Bien sûr, c'est pour faire la partie match, mais c'est juste pour montrer tout, qui Jean Levin assez irrégulière comme équipe dans le résultat. Pour une équipe là, nous venons jouer pile niveau clash qui a fait. Yo. Marcus Rashford, c'est une grande figure de l'équipe là, et génération ça qui a joué là. Ben, Levin tourne au monde quelconque, alors que c'est pas blessé, mais j'étais blessé, etc. Donc, c'est preuve qu'il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur de l'équipe. Et qu'il y a pas mal d'autres joueurs, dont Casemiro, même si Casemiro c'est sous pente descendante totale là que lui-même, mais c'est un joueur par expérience, par tout ça qui représente, qui est capable, utile et faciliter en symbiose dans l'équipe. Perdu 3-0 face à Tottenham. Qui lui-même pas au meilleur de sa forme, m'envie tête moins. Est-ce que c'est pas enfin la goutte d'eau qui va faire renverser le vase? On verra dans les prochains jours, les prochaines semaines. On nous rappelle les buts de l'équipe Tottenham. C'est depuis bien bonheur. Oui, Tottenham a gagné le match là avec Johnson qui était marqué dans la 3e minute. Dans la 48e, tu as gagné Kulisevski qui a pris le double mise là. 3e buteur là, c'est Solanke qui a pris le scellé score pour Tottenham qui bat United, la CA United 3-0. Gain Gary Neville, ancien joueur équipe United là, mais c'est vraiment critiqué. Et le fait que United a joué au niveau football pareil, je me suis demandé faut que dirigeant United soit capable de pencher sur ça le plus vite que possible. Je me suis dit c'est depuis les Mourinho dans l'équipe là, l'équipe là a descendu. Mais sous ça, il y a Ole Gunnar Solskjaer, il y a tout David Moyes qui n'a jamais fait de très bons résultats. Et Erik ten Hag semblait baisser le niveau à chaque jour plus. Gary Neville m'a dit faut que le président club là capable de décider si pour limoger Erik ten Hag pas la saison. Sauf que limoger ten Hag, du point de vue sportif, il paraît important et nécessaire pour le moment.
mais peut-être que capable de d'autres problèmes dans l'équipe là qui impactaient champ sportif là. Et si nous prenons déclaration Gary Neville là, c'est une grande figure du football anglais, ancien joueur de la sélection anglaise et ancien joueur de Manchester United tout. Et donc son équipe qui est chère à monsieur. Monsieur Diou, depuis Mourinho, équipe là son pente descendante. Donc avec Solskjaer, il a essayé font un petit regain de forme, de santé, mais Rivon époque tout, même avec Solskjaer, résultat pas de tomber. Au point que le Solskjaer a peu près quitté l'équipe là, pas j'ai oublié, parce qu'il est face à qui a souhaité jouer, mais il a perdu un match et Bruno Fernandes, en tant que capitaine, a fait signe à public là. C'est pas entraîneur pour le jouer, c'est eux même joueur, il fait six mois. Donc c'est eux même qui faut être responsable parce que pour lui-même et pour un pile monde, Solskjaer t'es fait ça le dédou, il fait maintenant marchandise n'a pas arrivé qu'à délivrer. Maintenant avec Ten Hag, il y avait pas mal d'espérance. Il était souhaité un pile renouveau, il était senti que monsieur capable de rebâiller fière allure que l'équipe a été conquise dans le temps, que t'es un acte de cabane, Mister United League. Malheureusement, nous pas well. Et loin de joindre, il n'y a pas de constance. Je ne pas oublier, c'est dans le collet-pied, c'est arrivé qualifié pour Europa League saison là, avec Pantsa là, qui côté Europa League saison prochaine là. Pas aucune garantie qu'il y a même capable européen. Ok, donc et c'est comme si on a dit, il y a du lait sur le feu. N'a pas traversé en Allemagne pour qu'on y a gagné Bayern Leverkusen qui est en déplacement la caille Bayern Munich. Bayern qui pendant jour ça yo yo très mauvais dans question match football, quitte dans Ligue des Champions, quitte dans Bundesliga. Nous songer récemment là moi avec coach Nato t'a parlé sous performance Bayern qui t'a marqué environ 29 goals dans 7 derniers matchs qui ont été joués parce que c'est laminé ou laminé équipe les croise avec yo. Nous songer Werder Bremen mettait balle 5-0 avant dernier journée ça, et bien pour weekend ça gagné Bayern Leverkusen qui sorti vivant et la ca équipe Bayern Munich là parce qu'il a fait un goal partout. C'est Andrić qui était buteur pour équipe Bayern Leverkusen là, alors que Pavlovic t'a pas fait goal pour équipe Bayern Munich là. Bayern qui stoppé dans Bundesliga, stoppé dans le sens que il a pas fait victoire, il a scoré quand même, il a pas fait un pile goal mais il a fait goal quand même. Mais ils sont bon bagage tout pour compagnie qui a découvert championnat ça, qui a découvert niveau ça dans l'équipe que l'a coaché, parce que Bayern c'est pire au niveau que les gagnent comme référence dans l'équipe que l'a coaché. Son bon bagage pour lui parce que Bayern c'est le haut niveau européen et dans opposition que joint déjà là, une plus belle répondant que le capable joindre c'est l'équipe Leverkusen ça, qui de les mêmes grosse stabilité parce qu'avec continuité et groupe là, même si il y a quelques graines qui sortent mais c'est pas en pile, en plus philosophie a très bien imprégné la caille tout joueur à partir de continuité Xabi Alonso mettait dans l'équipe là. Donc son bon test pour Vincent Kompany et même Jean tout un chapeau pour Xabi Alonso qui continue à faire bons résultats, notamment face aux grands du championnat d'Allemagne et qui a continué certainement à faire les sous scène européenne. Oui, je pense que Xabi Alonso est capable de faire une grosse saison encore parce que dans la Ligue des Champions, il a bien commencé. Et là encore, dans la Bundesliga, il a été très raide avec l'IDEA qui c'est Bayern Munich et bien que c'est eux-mêmes qui ont remporté la dernière édition Bundesliga. L'année dernière, il a été invaincu face à Bayern Munich. Premier manche là, il n'a déjà pas perdu. Oui, et c'est la CAI Bayern. Dernier manche là, donc match retour là, c'est CAI. C'est à domicile, il y a tant de Bayern Munich. Est-ce qu'il y a qu'à faire victoire là ça? Nous ne connaissons pas parce que saison avant, l'autre dimension là ça. Tout. Donc, de toute façon, pour la première partie, hein, c'est une bonne note pour lui que continuer et conserver invincibilité face à l'équipe Bayern Munich. Oui, chapeau pour Xabi Alonso qui a fait un travail énorme dans l'équipe Bayern Leverkusen. N'a traversé pour qu'on y a avec Antoine Griezmann, 33 ans, malheureusement Jodia, qui a annoncé la mettre fin dans la carrière internationale. Il n'a pas bien joué pour l'équipe de France encore. Alors, Antoine Griezmann, qui a 33 ans, il fait 137 sélections, il a marqué 44 goals pour eux et il baille 38 passes décisives. Oui, c'est énorme. Pour Grisou qui annonce la retraite Jodia, après 10 ans, il fait jouer pour l'équipe de France. Et il était remporté Coupe du Monde là en 2018 et remporté yon Ligue des Nations avec sélection française là. Gagné Deschamps qui parlait après annonce ça que Griezmann fait.
Il dit au contraire, Griezmann était dans liste, il t'a pas mettre dehors pour aller jouer deux matchs pendant mois octobre là, une contre Israël et puis l'autre là contre équipe Belgique là. Et très bonheur, Griezmann mettait fin à 33 ans coach. Est-ce qu'on garde le très bonheur? Pas nécessairement, mm-hmm. parce que c'est déjà 33 ans quand même, même si nous d'accord, gain, qui a 38, 39, 40 ans, 41 maintenant même, qui a joué là. Mais, qu'à Griezmann, non, n'a dit que dans une certaine mesure, il fallait s'y attendre. Mm-hmm. C'est vrai, il y a 33 ans. Mais du point de vue de production et de rendement sportif, monsieur gagne minute dans pied toujours, mm-hmm. même pour la sélection française. Oui, mais étonné. Et, mais Griezmann, son nèg, on est capable de dire qu'il est en situation de clash avec sélectionneur Lee depuis quelques temps. Mm-hmm. Et dans le dernier match qu'il jouait là, pour l'équipe française, là, Griezmann, on croit même qu'il était démarré un match sous banc. Mm-hmm. Oui, avec Mbappé, tu as ça. Non, Mbappé, il a une relativité. Mais Griezmann particulièrement perdu, m'avait dit, répondant que le gagné, référence que le gagné dans l'équipe de France, il vient de se perdre. C'est un pion important, son joueur utile. Mais comment s'est senti que statut menacé, eh bien, il est dans la situation que par, c'est un sursaut d'orgueil, monsieur choisit que. Au lieu de continuer pour la vivre humiliation, eh bien, il choisit de retirer l'école. Mm-hmm. À noter que. Pendant la situation difficile, ça a un petit malaise avec Didier Deschamps. Ce n'est pas une guerre ouverte. Et c'est la plus fragile lorsque la guerre est froide. Mon abtaclo là, mon abmacro là. Mm-hmm. Mais aux yeux de tout le monde, c'est beau sourire. Oui. Non, ça c'est de l'hypocrisie, si mm-hmm. je peux me permettre l'expression. Et bien, pendant un moment, ça a le jeune aisé. Et qui a joué actuellement dans Bayern Munich, qui vient intégrer l'équipe ça, mm-hmm. et en pile éloge commencé à faire monsieur, pour monsieur, et en plus, monsieur nominalement capable de jouer poste et wall Griezmann. Mm-hmm. Donc, c'est la jeunesse, monsieur a pile fougue, il a pile possibilité, il a pile capacité, il commence à montrer. Monsieur était un leader important pour l'équipe olympique pendant l'été. Mm-hmm. Monsieur a marché assez bien dans Bayern Munich là, donc. Gampé chance par rapport à la situation de clash là, que Eze était toujours joué une bassitude là, donc Griezmann d'après en solution de secours. Donc, balotage. Comme monsieur estimait que il n'a pas retrouvé le nom de ça, donc discrètement, il choisit de mettre fin à carrière. Je pense que Griezmann était capable dans deux ans encore, tant de mondial là. Si c'est pour capable jouer, il est capable. Et si c'est pour envie jouer, Coupe du Monde là, il a envie jouer. Mm-hmm. C'est question de problème statut. Okay. Donc si. Entre les deux hommes, ils sont capables de venir des conversations en aparté mm-hmm. pour les mettre à plat. Le problème qui gagne, ça qui arrive à l'approche de la Coupe du Monde, là, il fait un retour en sélection. Mm-hmm. Mais est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. Oui. On a fini sur le plan local avec information ça yo, pour nous dire qu'il y a une liste qui sortit pour mesdames qui ont dû jouer une compétition spéciale pour le mois d'octobre qui va venir là. Et bien, Fédération Haïtienne de Football qui a annoncé Malou Kinyet récemment là, c'est lui-même qui pourrait prendre tête sélection mesdames. Et bien, Malou Kinyet mettait pour mes listes leader, Kochinato. Oui, avec pratiquement des noms que nous habituons avec yo, c'est pas un trop changement dans l'équipe ça. Et nous comptons surtout que notre Coventina mm-hmm. présent dans l'Islande, surtout que c'est en Europe, déplacement ça, il n'est pas trop loin pour lui. On espérait qu'il allait rejoindre le groupe là, parce que il compte faire l'issue, et puis il y a des contraintes qui font qu'on joue pas, mm-hmm. il va arriver présent. Kerliteus, bel goalkeeper, que nous prenons plaisir à garder, en pile haïtien prend plaisir à garder, lui dans l'Islande tout. On souhaitait que toute figure, il est effectivement capable présent pour que tout le groupe la retrouve mm-hmm. pendant le rassemblement ça, ils vivent expérience ensemble, ils jouent tournoi, peu importe le résultat, mm-hmm. mais au moins automatisme, ils continuent de travailler pour que rendez-vous plus important, rendez-vous compétition officielle quoi venir, ils fait bonne figure là. Oui, Nalissa a gagné deux joueuses qui pas de jambe là depuis quelques temps, qui retournaient parmi eux Claire Constant qui est blessé et qui raté mondial mesdames en 2023 et puis Melchidael du Monde Coventina qui a parlé de lui à Cotinato qui fait grand retour depuis là il était joué mondial et 2023 nous rappelé sélection mesdames yo gagne un tournoi spécial j'a bien pour jouer dans pays Turquie pour mois octobre là et 23 octobre il a joué contre Jordanie il a bien pour jouer 26 octobre contre Chine Taipei
et puis 29 octobre il y a bien pour jouer contre la Russie. C'est trois matchs qui ont gagné pour moi octobre là. Si n'a fonti parler tout coûte de Lissa pendant région pour le foulé pour nous avec l'Islam comme gardienne, c'est Kerli Teus, Naomi Amboise, gagné Petrus Kaina César qui ne pas trop connaît, et comme défenseur c'est Deborah Bien-Aimé, Claire Constant qui retournait, Tabitha Joseph, Joanne Lafotte, Kitna Louis, Jasmine Villegrain, Bettina Petit Frère, Amandine Pierre-Louis, et comme milieu terrain c'est Modeline Mouril, Diana Pierre-Louis, Anissa Ibrahim, Shirley Jeudi, Melchida El Dumonet, et puis attaquant yo c'est Chelsea Domon, Batiba Louis, Roselor Bojula, Nerilia Mondésir, Flossie Dalina Joseph, Chwendeski Marcellis Joseph, et puis Ludina Etienne qui fait partie de l'ISA. Nous rappeler sélection mesdames yo a gagné en compétition spéciale pendant mois octobre là. N'a fini avec Charles Ewol Junior qui remporté pour une cinquième fois Ligue Dominicaine avec équipe Cibaoa, et pendant quatre dernières éditions, c'est Cibao qui remporté trophée ça. Charles Ewol Junior qui gagne 34 ans et monsieur qui a vu une équipe ça depuis environ 10 ans. Oui, on belle décade depuis que le présent dans l'équipe Cibao ça, la Ligue Dominicaine, et résultat toujours au top avec eux. Et chapeau Charles Ewol. Monsieur qui est vraiment très bon et qui a participé dans le mondial 2007 avec sélection. Équipe 17, nous. Ouais. Équipe qui a gagné Meshack Jérôme là-dedans. Ricardo a été dans le groupe ça tout. Même pas sûr que Ricardo ait joué le mondial là. Mais grand pile, parmi génération, monsieur, il est rare joueur qui est toujours en compétition. Oui, en activité. En activité. Et Charles Ewol Junior, depuis quelques temps là, qui a prêté service là avec. Et Cibao nous connaît, c'est club que Pec Lodi, c'est équipe Lewi, dans la Ligue Dominicaine. Nan. Et puis tout, gagne Babalito, qui était dans l'équipe Sato en 2018. Malheureusement, Bajam gagne nouvelle Babalito. Ça fait longtemps que je n'attendais, monsieur. Est-ce que toujours dans le jouet là, je ne sais pas. Mais je ne pas gagne nouvelle, monsieur, pratiquement du tout. Merci tout le monde qui t'a suivi. Premier paraître Ola Sport pour ce maintenant sous Télésoleil. Merci un peu avec toute équipe technique Télésoleil là. Merci au même tout, coach Nato. Bonne nuit. Bonne soirée Willow, bonsoir tout le monde et surtout bonne semaine avec Télé Soleil dans Ola Sport. Ola Sport, bonsoir tout le monde. N'a venu pour nous décrypter, commenter et analyser tout ça qui fait dans le sport. Eh bien, paratez au La Sport chaque soir à 8h sur Télé Soleil.